Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Culture Média, je l'ai dit, qui continue et qui commence cette heure avec, cette demi-heure, puisqu'il est 10h25, c'est un nouvel horaire, vous le savez, nous sommes désormais de 9h30 en direct à 11h. Je salue toutes les équipes qui travaillent avec nous et qui font un travail absolument merveilleux après Mathieu Béliard et les auditeurs qui a pris le tout début de notre tranche de 9h à 9h30. On démarre ce journal de la culture Hélène par le geste des cinémas UGC et Pathé Gaumont pendant cette période de coronavirus. Et au moment où je lance ça, je me rends compte que je ne vous ai même pas salué et je ne sais même pas où vous trouvez. Bonjour Hélène. Bah oui. Alors bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Écoutez, je suis comme hier dans mon salon, sur mon canapé. D'accord. Alors je l'ai dit, le journal qui démarre par le geste des cinémas UGC et Pathé Gaumont pendant cette période de coronavirus. Et oui, les cinémas sont fermés depuis le 14 mars, alors certains se posaient la question du paiement de leur carte illimitée. Alors sachez que ces deux principaux réseaux de cinéma multiplex ont décidé de stopper les prélèvements automatiques pendant la pandémie. Pathé Gaumont a envoyé un mail à tous les abonnés Cinépass, il détient 82 cinémas en France, et les abonnés n'auront rien à débourser jusqu'à la réouverture des salles. Ça se fait automatiquement, aucune démarche à effectuer, et du côté du GC, pareil, pas de prélèvement, et si vous avez réserver des séances après le 14 mars, vous serez remboursé. Il y a un petit délai, je dis ça à nos auditeurs, il y a un petit délai, puisque justement Hélène est à distance et la technique fait des miracles pour que tout fonctionne. Après les annulations de concerts et de spectacles, les artistes ont décidé d'offrir des concerts en live sur Internet. Et oui, notamment avec le hashtag Ensemble à la maison, mis en place par Facebook et Instagram. Plusieurs chanteurs ont décidé de maintenir le lien avec leur public. Le premier à avoir enflammé la toile, c'est Jean-Louis Aubert. Privé de tournée, il a fait un concert depuis son salon. Il a chanté pendant plus d'une heure et demie en direct, avec plus d'un million de vues. Bien sûr, mon amour, on va traverser. Alors ce n'est pas le seul, hein. Des surprises ont aussi été organisées par d'autres, notamment par Mathieu Chédide, qui depuis les réseaux sociaux a offert un moment de poésie en compagnie de Pierre Richard, en direct donc sur Internet. Ils alternaient poèmes et chansons. Écoutez. Alignez vos troupes, en rang les désarmés, les violents et les doux partisans, et sceptiques et croyants vains dieux, les croyants sans Dieu, nulle foi, nul credo, n'ont su rompre le carnage. Qui vous distinguera, carcasse ou charogne, quand la triste poussière vous aura rattrapé? Oh. Ça jette un froid, non? Alors si vous, Renaud, c'est très très drôle. D'accord. Si vous regardez la vidéo, vous pourrez voir également Pierre Richard danser quand M chante. Alors Christine and the Queens, elle a aussi donné un concert gratuit hier, hein, sur les réseaux sociaux. Et puis Chris Martin, le chanteur de Coldplay, a passé une demi-heure au piano lundi soir. D'autres artistes rejoignent au fur et à mesure cette initiative du Ensemble à la maison, comme les humoristes, notamment Jarry. Et sachez que le château de Versailles commence à mettre des contenus inédits sur Facebook et Instagram. La solidarité continue, Hélène, dans le monde de la culture, mais cette fois-ci avec une application gratuite qui propose des cours chantés. Ah oui, alors Philippe, vous allez adorer. Les cours, vous savez, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, et donc les cours à domicile s'organisent et les façons de le faire se multiplient. Alors voici une idée avec une application. Elle s'appelle StudyTrax. Elle existe depuis 2 ans. Elle aide habituellement pour aider les étudiants à réviser le bac et le brevet des collèges. Et en cette période de coronavirus, elle met gratuitement à disposition 1500 cours chantés pour aider professeurs et élèves, notamment des cours enregistrés par Joey Starr. Bienvenue sur StudyTrax. C'est Joey Starr. Philosophie, la liberté, définition. La liberté est le fait de disposer de sa personne et de ses biens, sans contrainte naturelle ou sociétale, sans aucun obstacle physique ou même moral. Le choix est partie intégrante de la liberté. L'humain est l'auteur et le maître de ses actes.
et sans contrainte naturelle ou sociétale, sans aucun obstacle physique ou même moral. Et puis il y a aussi Soprano qui lui nous parle du théorème de Thalès, Philippe. Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droit D, D', c'est quand en A. Soit 2 droit D, D' c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. C'est, voilà, c'est pas mal, non? C'est extraordinaire. Et on recevait le mentaliste Fabien Olicard qui expliquait que justement, ça fait partie des moyens mnémotechniques pour se souvenir des cours. Par exemple, les faire rimer, les faire chanter. C'est une très, très, très belle initiative. Et même sans coronavirus, on devrait faire tout le temps. Et puis, on termine par une info qui risque de vous faire sourire. Un acteur américain vient de découvrir la pandémie du coronavirus. Oui, ce n'est pas une blague, Philippe. Il s'agit de l'acteur Jared Leto, qui avait décidé de se retirer 12 jours dans le désert de Californie. Ça me fait marrer, pour méditer. Il a donc appris hier la présence de ce virus dans le monde. Il a posté sur Instagram ce message suivant. Waouh, nous étions totalement isolés, pas de téléphone, pas de moyens de communication. Nous n'avions pas idée de ce qu'il se passait en dehors du refuge, a-t-il donc déclaré sur Instagram. Nous sommes sortis hier dans un monde très différent, qui a été changé à jamais. C'est pour le moins hallucinant. Alors il affirme essayer de rattraper le cours des événements. Ce n'est pas le seul, puisque les candidats de l'émission Big Brother version allemande l'ont su hier soir. Ils étaient enfermés depuis le 6 février. Alors réaction, des cris et des pleurs, évidemment. La surprise, comme vous vous en doutez, a été totale. Et puis à propos de délai, merci et bravo aux équipes du CDM qui ont réparé en temps réel le petit délai qu'on entendait au début de votre intervention. Vraiment, merci les gars. Et merci à vous, Hélène Manarino. Je vous dis à demain. Merci à vous.